Ouais, yo-yo, on va manger? Ouais, font des pâtes au pesto ou pas? Ah, carbonara aussi, on prend. On va manger, Flo? Ouais. C'est ça le pire truc que t'as entendu à l'oreillette pendant une course? Non. Mais le pire truc de ma vie, c'est peut-être que tu m'aies présenté yo-yo, je crois que c'est ça. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les pires trucs qu'on t'a dit à l'oreillette. Ah ouais? On parle de ça aujourd'hui? Ouais. Ah bon, ok. On va aller demander ça au pro. T'es prêt? Ah, je suis pas prêt, mais ouais, on y va. Juste allez, on y va. Allez. C'est quoi la chose la plus folle, ou la plus idiote, ou ce que tu veux, que t'as entendu à l'oreillette? Ouais, y a plein de trucs bizarres qu'on entend à l'oreillette. Attention les gars, ça va bientôt... va falloir remonter, ça va bientôt être tendu, alors que ça fait déjà 30 km qu'on est en plein milieu du peloton à essayer de faire une guerre de position pour gagner 3 places et que c'est juste impossible de remonter. Ça, on l'entend souvent. Après, il y a le classique... allez, tu tires, tu pousses quand t'es dans le final d'une étape, comme si on savait pas comment il fallait faire pour pédaler. Donc on nous rappelle qu'il faut tirer et pousser. Et ouais, je sais pas, il y en aurait pas mal, hein. Mais je vais louper le départ si je l'ai dit tout ça. Bon, allez, vas-y, file. Merci, Guillaume. C'est quoi le truc le plus marrant ou inapproprié que t'aies entendu dans ta vie de coureur à l'oreillette? Oh, ça, c'est une bonne question. Difficile à dire maintenant. Des erreurs de traduction des fois, ou avec des DS étrangers, ça arrive aussi. Ouais, ça arrive. C'était un moment, je me rappelle pas exactement, mais c'était chez Cervelo, c'était quelque chose de bizarre, on a rigolé, mais... Bon, c'était une traduction, je peux pas dire à la télé. Merci, Connor. Bon, plaisir. La pire connerie? On en entend tous les jours, hein, sinon on s'ennuie dans les étapes de plaine. franchement, la pire, je sais pas. Ah si, bah des mauvaises infos où on nous annonce bordure et alors qu'il n'y a pas bordure et puis bah du coup on se replace pour rien. Tu regardes, c'est calme plat et tu comprends pas. C'est ça. Merci, super. C'est quoi la chose la plus folle que tu as entendue dans l'oreillette? La plus folle, c'est le... La plus débile ou la plus... Si tu étais à bloc, ils sont dit encore 10 km dans la montée. Ça, c'est horrible, ouais. Ça, tu aimes pas les montées. Quand au briefing, on dit clairement, ça sert à rien devant, il va y avoir un androdien, machin, et que t'en as un qui prend l'oreillette, qui dit, allez, c'est bien, et que les DS, ils y croient, ils marchent dedans et tout. Ça, on aime bien, ça, c'est un petit classique, quoi. Changement de fusil d'épaule, quoi. C'est ça. C'est quoi le truc le plus marrant ou le plus inapproprié que t'as entendu à l'oreillette dans ta carrière? Putain, ça caille les mecs. Ça, c'est Alain Deleuil quand il a mis le chauffage à fond. Ouais, c'est ça. Ça venait d'un DS qui avait froid dans la voiture, c'est ça? Ouais, il se caillait avec le chauffage et avec la doudoune. Donc nous, bah, t'imagines bien que c'était pas top, quoi. La cosa più strana che ho sentito quando, è una cosa abbastanza brutta, ci dissero che era caduto un motociclista e che era in pericolo di vita. Cioè una cosa, io sono lì che sto lottando, no, per arrivare al traguardo, mi dici una cosa che mi ha tirato giù di morale, avrei preferito saperla magari dopo l'arrivo, quindi è stata abbastanza strana e anche triste, sinceramente, avrei fatto a meno di saperlo. Du coup, Lolo, tu nous as pas dit, mais toi, c'est quoi le pire truc que t'as entendu à l'oreillette dans ta carrière? Oh, tu sais, moi, j'en ai entendu un paquet de conneries. Le pire, je crois que c'est... T'en as dit aussi, beaucoup. Moi, j'en dis plus que ce qu'on m'en dit. Non, moi, le pire, je crois que c'est... Bon, les gars, dans un kilomètre 200 à peu près, vous allez tourner à droite et vous allez entamer le col. Alors que ça faisait deux bandes qu'on était dans le col. Ouais, ça revient souvent quand même, hein. Les erreurs sur le parcours, ça peut être démoralisant. Bon, en tout cas, on espère que vous avez apprécié cette nouvelle question pro. Continuez à suggérer des idées, on se retrouve bientôt sur du CNN en français. Likez, partagez, comme d'hab. Ciao. À bientôt.